toutes et à tous, bienvenue en direct, pas de la salle 3S, mais du Cheese & Sport Truck. Nous sommes près des Invalides avec une séance de pleine nature, puisque le Cheese & Sport Truck est le premier terrain de sport mobile à démarrer ses activités depuis cette semaine de déconfinement. Voilà, donc nous sommes ici avec un beau paysage qui nous attend. Je vais redresser un petit peu, voilà, la caméra. Et puis nous allons pratiquer notre séance. Donc ici, avec les exercices habituels que vous connaissez sûrement maintenant. Avec déjà, pour commencer, le petit échauffement que vous avez l'habitude de faire avec de la mobilité, du stretching et de l'activité un peu plus intense tout à l'heure avec le circuit training. Un petit dernier passage sur les Invalides et ici sur le Cheese & Sport Truck avec votre séance de sport sociale et solidaire, toujours, mais cette fois-ci en plein air. Voilà, j'espère que vous allez bien. Très très bonne journée. Nous allons commencer par des petits exercices de mobilité articulaire, d'assouplissement comme on le fait d'habitude, avec évidemment le step qui vous attend, le fameux step qui est la marche d'escalier, pardon. Si vous avez une marche d'escalier chez vous, si vous avez un petit promontoire, si vous avez un step, eh bien, utilisez-le, et si vous n'avez pas, vous pouvez très bien faire les activités au sol. Bien, on va commencer maintenant par de la mobilité articulaire. Donc nous sommes en pleine nature et c'est très bien comme ça, avec un temps qui est superbe aujourd'hui. On commence à mobiliser les épaules. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et rotation sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je fais un petit peu d'espace pour me décaler ici sur le côté. Voilà, la petite bouteille d'eau qui vous servira aussi d'objet pour le pédalo qui suivra le pédalo Nico que vous connaissez maintenant. Et là, on va commencer à descendre sur le côté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on va commencer à trottiner tranquillement avec les bras et avec les jambes, les deux doivent être utilisés. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, écart serré, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on va aller sur l'avant, revenir sur la position centrale et ensuite refaire fente à nouveau de l'autre côté. Donc ça donne ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Maintenant, on va croiser avant, arrière, droite et gauche avec écart serré, droite, gauche, écart serré, droite, gauche, écart serré, droite, gauche, écart serré, droite, gauche, écart serré. On relâche à nouveau. Maintenant qu'on est un petit peu plus chaud, on va s'étirer légèrement, faire un petit travail de déverrouillage articulaire comme on le fait habituellement. Alors moi, je vais me servir de mon step qui est juste ici devant vous. Voilà. Avec, dans un premier temps, une petite fente avant pour bien déverrouiller le bassin. Parce qu'aujourd'hui, ça va démarrer très très vite. La séance va être courte. Et ensuite, on vient ici à l'opposé, avec une très belle vue sur le Dôme des Invalides. C'est assez incroyable. Et c'est ce que permet le Cheese & Sport Truck, le premier terrain de sport qui vient à vous. Et on relâche à nouveau. Maintenant, on va tendre la jambe et venir en arrière. Ici, on relâche la tête vers le bas. Et on relâche à nouveau. On va changer de jambe maintenant. Jambe droite ou jambe gauche en avant. Et on descend à nouveau. Et on relâche.
Maintenant, on va faire un petit exercice de proprioception sur une jambe, comme d'habitude, avec un stretching et un petit travail de renforcement musculaire sur la jambe qui est en appui. Donc ça se passe comme ça. On prend la jambe opposée ici et on vient faire le petit stretching au niveau du psoas iliac et le petit renforcement ici au niveau de la cuisse. Et là, on reste sur la position, le genou passe derrière, là, et on essaye de maintenir la position sur la jambe. Ok, on relâche à nouveau, on passe à la jambe opposée, main droite, jambe gauche. Ici, le genou passe derrière, et on fléchit légèrement. Alors, vous pouvez faire l'arabesque, c'est pas mon style, donc je vais rester avec mon petit bras en bas. Et là, on essaye de grandir la jambe en arrière, ici, et là. Et on maintient la position. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche à nouveau. Maintenant, on va faire un autre exercice qui est celui de maintenir le corps sur une jambe à nouveau avec rotation de la tête, les yeux ouverts. Alors ici, j'en ai plein les yeux. J'espère que je ne vais pas être déstabilisé. Donc on va se maintenir sur une jambe. Ça va se passer comme ça. Là. Et là, je vais commencer à tourner la tête pour garder l'équilibre et vérifier si je suis en bonne posture, en bonne forme pour la prévention des chutes en particulier. On passe à l'autre jambe. Et là, on va repartir avec le regard de l'autre côté. L'objectif, c'est de ne pas poser la deuxième jambe. Allez-y. Deuxième rotation. Et troisième rotation. On relâche à nouveau. Maintenant, on va passer à nouveau avec un petit stretching au niveau des épaules. Donc on va mixer stretching, renforcement, échauffement pour arriver après au circuit dans quelques minutes. On va se positionner face au step. Le petit tapis. Et là on va faire un petit étirement de l'épaule 45 degrés. Regardez à l'opposé, la main posée au sol. Ici. Change de bras, 45 degrés, main posée sur le step et on vient ici regarder de l'autre côté. Et on relâche. On va passer maintenant à la partie mise en jambe cardiovasculaire. Avec montée de genoux, rotation du bassin, petit pas latéraux. Et ensuite, on va démarrer le circuit. Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous êtes prêt? Je regarde l'écran de contrôle pour voir si tout le monde est arrivé. Et ensuite, on va pouvoir démarrer. Alors, on va commencer montée de genoux, rotation du bassin en 2 et en 3. On va faire des petits pas sur le côté. Allez, c'est parti! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Rotation sur le côté, droite et gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va faire les petits pas sur le côté ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on utilise les bras, 8, 9 et 10, on va remonter les genoux à nouveau, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, rotation, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, petit pas sur le côté,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Petit pas. Allez, dernier. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Bien. Alors, il est temps de boire une petite gorgée. N'hésitez pas, je vous laisse contempler le site sur lequel nous nous trouvons, juste devant et face aux Invalides, avec le Chisin Sport Truck, le premier terrain de sport mobile qui permet la pratique sportive en respect évidemment des consignes de protection et de prévention du Covid-19. Et il se trouve ici. Et nous allons pouvoir démarrer notre séance de sport sur la dominante step. Donc j'ai amené mon step, on a tout l'équipement, on a notre forme physique et donc on va pouvoir maintenant démarrer. Premier exercice. Le premier exercice, vous le connaissez. Monter sur le step, fléchir, remonter, fléchir. Toujours avec une très belle posture où on regarde de face, on descend bien le dos plat et on remonte et on enchaîne. Ça va être à vous. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. On relâche à nouveau. On va passer au deuxième exercice. Le deuxième exercice, vous le connaissez toutes et tous. Vous avez déjà pratiqué, c'est le pédalo Nico, avec un petit objet dans les mains et un petit pédalage avec, évidemment, les jambes. Attention, ça va être à vous. Alors, ça va se passer ici. Ça sera beaucoup plus visible. Et là, on va commencer à pédaler en se passant la bouteille à droite et à gauche. Ça va être à vous. 3, 2, 1, c'est parti. On passe maintenant au troisième exercice, push-up, main en bas et main en haut avec le step. Voilà. Donc là je vais me mettre en fente avant ou si c'est trop difficile avec les genoux au sol. Donc ça se passe comme ça. Ici, 1, 2, 3, etc. etc. Ça va être à vous. 3, 2, 1, c'est parti. La première série, le premier bloc de trois exercices, et ensuite on va enchaîner sur le deuxième exercice avec un premier saut pieds joints sur le step. Donc ça va être cet exercice.
On va être à vous 3, 2, 1. Et c'est parti. Et on relâche. On va passer maintenant au deuxième exercice. Vous le connaissez, c'est la Formule 1, puisqu'on pratique de la Formule 1 dans la salle 3S sportive, sociale et solidaire. Même la Formule 1, même la natation, même le canoë. Donc on va démarrer le deuxième exercice de Formule 1. Donc on se positionne ici comme les pilotes de Formule 1. On croise les doigts. Et on va chercher à gauche et à droite. Alors, on va démarrer. Ça va être à vous. 3, 2, 1, c'est parti. On relâche à nouveau. L'exercice suivant, ça va être très sympatoche. Ça sera des exercices de petits pas sur les steps, montée, descente, un pied après l'autre. Si vous n'avez pas de step, faites-le au sol. C'est un pied qui chasse l'autre à chaque fois, quand on avance, quand on recule. Et c'est très sympa, c'est très rythmé. Et ça fait monter un petit peu la puissance cardio. On va se mettre en place. Ici. Et là, je vais commencer à démarrer. Bras posés. Bras devant, jambes devant. Là. Allez, 3, 2, 1. Allez, c'est à vous. Et on relâche. On va passer maintenant au deuxième exercice. Ce sont les dips avec le travail de triceps ici sur le step. Je me positionne perpendiculairement à vous. Vous voyez bien. Et là, on va travailler les dips ici, descente et montée. Sans toucher le sol. Alors, ça va être à vous. 3, 2, 1, c'est à vous. Allez. Maintenant, le troisième exercice, ça va être un exercice de natation, puisqu'on a une piscine dans le chez un sport truck, il n'y a pas d'eau, mais on pratique quand même de la natation, de la Formule 1, du canoë et de l'aviron. Donc on va passer à la natation avec un mouvement bras tendus, collés en avant et en arrière le long du corps. Les petites jambes vont faire un petit battement et ça va démarrer. Et ça va être 3, 2, 1, c'est parti. On relâche à nouveau. On va passer ensuite à l'exercice de fente avant alterné, un pied sur le step, un pied au sol, toujours en changeant la position des jambes. Démonstration. Une jambe en avant ici et une jambe en arrière là.
Ça va être à vous. 3, 2, 1, c'est à vous. On travaille avec les bras. On descend. Allez. Allez, on y va, on descend encore un peu plus. 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Super. L'exercice suivant, ça va être un exercice de rameur. L'aviron, pareil dans le Shizen Sport Truck, nous n'avons pas d'eau, mais nous avons des rameurs virtuels. Donc on va démarrer. Position. Attendu, j'enfléchis ici. Allez, 3, 2, 1, c'est à vous. Et 10. On relâche à nouveau. Ensuite, il va rester le petit travail de burpees. Vous adorez tous les burpees. Donc, on va faire ce petit travail de burpees avec enthousiasme et en utilisant aussi, si possible, le step. Alors, ça va se passer comme ça. On va aller au contact du step, prendre une position allongée ici et monter sur le step. Là. Ok, ça va être à vous. 3, 2, 1, c'est parti. Et on relâche. Bien, on a fait le premier tour. Premier tour très sympathique, qui est vite monté en cardio. Je vous laisse récupérer, boire des petites gorgées régulièrement. Et je vous laisse admirer le paysage le temps que je revienne dans une petite minute. A tout de suite. Voilà, nous allons maintenant repartir pour le deuxième tour, toujours avec 4 blocs, 4 blocs of 3 exercises, 4 blocs de 3 exercices, toujours sur la même configuration avec un temps de travail, un temps de repos. Et là pour le coup, je n'ai pas l'écran qui me donne l'indicateur, donc ça sera moi qui vais vous donner le top de départ et le top d'arrivée. Alors on va démarrer sur le demi-squat. Demi-tour sur le step. Ici, là. Et là. Attention, ça va être à vous. 3, 2, 1, c'est parti. Allez. 3, 4. Ok, on va passer maintenant au pédalo, on a bien relâché. Pédalo Nico, prenez un objet à la main, une petite bouteille. Et ça va être à vous.
relâche. On passe maintenant au troisième exercice. Push-ups, main basse, main haute, en fléchissant maintenant les bras. Ici, on soit avec les genoux au sol. Ici, là, là. Corps tendu, ici, là, et là. Ça va être à vous. 3, 2, 1, c'est parti. Et on relâche. Ok, on a fait le premier bloc. Maintenant, on va passer au deuxième bloc sur pieds joints sur le step. Allez, on est prêt. Ici, là, 3, 2, 1, c'est parti. On descend bien. On passe maintenant au deuxième exercice, la Formule 1, la même position que les pilotes de Formule 1 sur leur voiture, dans le baquet, les pieds en haut, les fesses en bas, et on va faire des rotations de volant avec les bras. Allez, en position, ici, et on tourne à droite, en gauche, 3, 2, 1, c'est à vous. Et on relâche. Ok, on a fini la Formule 1. Maintenant, on va faire des petits pas avec les mains pour monter et descendre du step, comme on l'avait fait tout à l'heure sur le premier bloc. En position, ici corps tendu. Et là, on va monter et descendre le plus vite possible. 3, 2, 1, c'est à vous. Vraiment que je reste concentré parce qu'il y a beaucoup de monde ici et il y a un rassemblement de voitures historiques assez magnifique d'ailleurs, donc parfois je reste un petit peu déconcentré. Donc on a fait le dernier exercice du deuxième bloc, on va attaquer directement le troisième bloc avec les petits pas sur le step, montée descente suivi de la natation. En place, là, 3, 2, 1, c'est à vous. Et on relâche. Ouh, ça commence à chauffer. Se rafraîchir dans l'eau, on plonge dans la piscine bleue et on fait bras de brasse ici, les jambes de crawl en place. Là. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, c'est à vous. Relâche à nouveau. On passe maintenant au dips ici sur le step, ou si vous voulez vous pouvez le faire au sol. Alors, position, ici, 3, 2, 1, c'est
augmente la fréquence. Relâche à nouveau. Donc on a fait 3 blocs. Maintenant on va passer aux fentes alternées sur le step à droite et à gauche. Très dynamique, très concentré, très mobile, très disponible, n'est-ce pas? N'est-ce pas madame? Allez, on se met en place. La madame est d'accord, donc on va pouvoir maintenant démarrer. 3, 2, 1, c'est parti. On descend bien en bas. Et on accélère. Ok, on a fait les fentes, maintenant on va faire le petit travail de rameur ici. Allez, on va plonger dans l'eau. Je suis prêt pour vous. Là, au soleil. Attendu, j'en fléchis. Si c'est trop difficile, on pose un pied au sol. Là, ou les deux debout. 3, 2, 1, c'est parti. Ah, merci madame, j'ai mes encouragements, ça me donne la patate. Ensuite on va passer au burpees, le plus bel exercice de la séance. Allez, on va se mettre ici en position, là, là, là. Allez, 3, 2, 1, c'est à vous. Et on relâche. Bien, on a terminé le deuxième passage. On va récupérer, essayer d'en faire un troisième. À nouveau avant de se quitter. Allez, je vous laisse boire une petite gorgée, récupérer. Et moi, j'attends mes acclamations ici où il y a beaucoup de monde. Alors, je vais essayer de pas être trop ridicule non plus. Je vous laisse profiter du paysage. Voilà. Vous voyez que c'est plutôt sympa le sport en plein air, le sport de pleine nature. C'est vraiment une thématique en pleine évolution qu'on avait démarré il y a un an et demi avec le Chisin Sport Truck. Utiliser au maximum les espaces extérieurs, utiliser au maximum la nature et toute la topographie du terrain quand il y en a pour faire des séances très très complètes qui s'adressent autant à des sportifs de haut niveau qu'à des personnes sédentaires qui ont envie de reprendre une activité plus ou moins douce. Donc utiliser le plus grand stade du monde, qui est l'extérieur, que ce soit en ville ou à la campagne. Ce sont les plus grands stades du monde. On va passer au troisième passage avec toujours 4 blocs, 3 exercices par bloc et ça fera en tout 12 exercices. Ça sera le dernier avant les étirements. Préparez-vous, on boit une petite gorgée et on démarre. Allez, on va repartir par avant, arrière, ok ?
Attention, ça va démarrer. Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous êtes prêt? 3, 2, 1. Allez, c'est à vous. C'est parti. On accélère. Au pédalo. Pédalo Nico, ici. 3, 2, 1, c'est à vous. Passez maintenant aux push-ups, droite et gauche, sur le step, ici. Là. Donc soit vous le faites sur les genoux, comme ça, là, là. Ou vous le faites corps tendu, ici. Prêt ? 3, 2, 1, et c'est parti. Je vous rappelle que vous avez la possibilité. Et on relâche. On relâche à nouveau. On a fait le premier exercice du deuxième bloc. Maintenant, on passe à la Formule 1. C'est d'actualité aujourd'hui. Avec toutes les voitures qui sont sur l'esplanade des Invalides. Allez, on y va. Position de Formule 1. Ici, on croise. Gauche, droite, 3, 2, 1, et c'est parti. On tourne bien la tête. À gauche, à droite. À nouveau. Très bien, on va passer maintenant aux push-ups sur les mains, montée descente avec les mains sur le step. Ici. Là. 3, 2, 1, c'est à vous. À nouveau, on a fait le deuxième bloc, on passe au troisième bloc avec les petits pas avant et arrière. Attention, ça va être à vous. Ça va être à vous. Ça va être à vous aussi. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on va enchaîner maintenant par la natation, bras de brasse et jambes de crawl. En place. Là. 3, 2, 1, et c'est comme. Merci madame, j'ai mes encouragements, mes acclamations. Merci madame. Ok, on va passer maintenant aux dips ici sur le step ou au sol si vous n'avez pas de step. Attention, c'est génial. Allez, on y va. 3, 2, 1, c'est parti. À nouveau.
Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien quand je suis là-bas, donc je fais des petits signes pour essayer de faire comprendre, y compris à les personnes étrangères. Welcome to everybody. On passe maintenant ici, au fond, sur le step ou au sol. Allez, allez. 3, 2, 1, et on relâche. Ok, on a fait les fentes maintenant. Il reste quoi? Il reste le canoë, l'aviron. L'aviron avec un petit bout de piscine. Ici, bras tendus, jambes fléchies et on pousse. 3, 2, 1, c'est à vous. Allez. Bien, petite question, petit quiz, par quoi va se terminer l'entraînement aujourd'hui? Petite question, je regarde sur mon écran de contrôle, je vous laisse écrire la réponse. Alors la réponse c'est évidemment les burpees. Dernier exercice, on y va. Merci monsieur. La séance est terminée pour la partie cardio. Ne partez pas, restez là. Il reste la partie la plus importante, c'est-à-dire le stretching. Je vous laisse récupérer, boire un petit peu. Et on se retrouve dans 30 secondes, 1 minute, autour d'un beau soleil, devant l'esplanade des Invalides. Regardez-moi ça. Le plus grand stade du monde, c'est l'extérieur, la nature. Profitez-en. Alors, on va continuer par les étirements. Sous vos acclamations, pas sous vos étirements, mais presque. On va se mettre en place et démarrer les étirements. Je vous rappelle, c'est la dernière séance du programme Sport et Solidaire au niveau du Sport Management System. Donc on mettra en place une programmation professionnelle à partir de lundi. N'hésitez pas à nous faire des demandes à ce niveau-là. Allez, on démarre par les étirements à nouveau. Ici, je vais à nouveau utiliser le step avec toujours pareil, le petit système de fente avant. Là, vous pouvez poser éventuellement ici le genou. Voilà, c'est très bien. Et là, on va venir tourner le haut pour déverrouiller le bassin et avancer en même temps le bassin. Voilà, on relâche à nouveau. Là-bas, il a fermé ce qu'il a voulu faire, il a arrêté. Et sur la même position, on va tendre la jambe avant. Ici, essayer de descendre au maximum. Moi, je suis au taquet, je ne suis pas souple, mais ça permet de bien respirer et bien descendre. Voilà. Ensuite, on va passer sur le côté en utilisant le step ici, un genou sur le tapis, le bassin entre le genou gauche et le genou droit, et là on descend à nouveau vers le bas. Voilà, on est bien bas et ensuite on passe de l'autre côté. On change ma position,
ici. Toujours en pente avant, là. Et là, je vais venir à l'opposition. Ça me permet de vous observer, vous regarder. Pas vous corriger, mais presque. Sous le soleil de Paris, qui n'est pas très pollué. C'est d'autant plus agréable pour faire du sport. N'hésitez pas, le sport, ça se fait à l'extérieur principalement. D'autant plus qu'en ce moment, c'est interdit de le faire à l'intérieur, donc ça tombe bien avec le véhicule. Chizen Sport Truck, Chizen qui veut dire nature en japonais. On relâche par la jambe ici à nouveau et on descend vers le bas. On inspire, on souffle et on descend. On relâche à nouveau. On vient me repositionner, on va travailler sur les épaules maintenant, et puis le dos et le bassin. Alors pour relâcher le dos, parfois il faut prendre des positions quadrupédiques, c'est-à-dire sur les quatre appuis, mains et genoux. C'est ce qui permet de reposer le mieux les lombaires, la partie lombaire, la partie basse du dos. Donc là on va étirer le haut et le bas. Là. Et on relâche à nouveau. Et voilà donc la dernière séance de sport solidaire qui a été initiée dans la salle 3S, sportive, sociale et solidaire, se termine aujourd'hui. Je tiens à remercier infiniment toutes celles et ceux qui ont eu un geste envers Stéphanie et moi-même. Je les remercie vivement. Je souhaite qu'on reste en contact. Et si vous avez des demandes, notamment au niveau des entreprises qui souhaitent mettre en place du sport en ligne pour garder la motivation des collaborateurs, ou si c'est pour vous sur le plan individuel, n'hésitez pas à nous en faire la demande. À partir de lundi, nous aurons une offre professionnelle qui sera possible sur le site sportmanagementsystem.com. Voilà, bienvenue encore une fois sur le site des Invalides avec le Chizen Sport Truck où nous avons fait une séance tout à l'heure avec un petit groupe très sympa, un petit groupe d'amis. Et puis voilà, je vous laisse admirer le paysage exceptionnel pour cette dernière séance de sport solidaire. Portez-vous bien, j'espère qu'on vous a apporté un petit peu de bien-être dans votre vie de confiné ou de déconfiné. Soyez prudents, restez encore prudents, surtout vous les enfants. Voilà, il y a encore des consignes qu'il faut respecter, c'est ce que nous faisons lorsque nous mettons en place le dispositif Chizen Sport Truck avec toutes les mesures barrières et les formations qu'on dispense auprès des utilisateurs. Très bon dimanche et à très bientôt.